Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre servante moyenne. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Voilà. Et nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Proverbe 5, verset 18, qui dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Amen. Voilà, je veux parler un peu des hommes là. Voilà, quand vous êtes avec les femmes là, voilà, quand nous rentrons dans le foyer, nous étions bien en forme là, les seins sont bien debout. Maintenant, après avoir fait beaucoup d'enfants, les seins, évidemment, les enfants têtent, donc les seins vont s'affaiblir. Et voilà que, bon, voilà, les seins vont tomber, comme on le dit. Et les hommes n'aiment pas ça. Le plus souvent, les hommes n'aiment pas les seins tomber. Mais toi qui as ta femme, là, tu sais que cette femme-là, elle t'a servi. Parce qu'il faut dire que, comme j'aime bien le dire, la femme est le matelas de l'homme. Ça là, il faut que je le dise. Et cette femme-là va rester dans ta vie jusqu'à maintenant. Quand vous allez vieillir là, toi, tu penses que tu es encore jeune, tu t'en vas chercher les jeunes filles, les petites filles là. Et puis tu laisses la femme de ta jeunesse. Celle-là même qui t'a servi depuis longtemps là, tu la laisses et puis tu prends une jeune fille. Ça aussi, c'est pas bon. Ça aussi, c'est pas bon. Je vais dire à Papa Gbagbo bonne chance. Voilà. Puis il a choisi. Il a choisi Nadi Bamba. C'est ça, non? Voilà. Bonne chance à lui. Mais je vais dire aux hommes de faire beaucoup attention. Quand vous prenez les femmes, que vous savez que ces femmes-là sont en train d'être fanées. Voilà. Elle est en train d'être fanée. Je crois que tu peux l'envoyer en France. Ou bien aux États-Unis, aller refaire sa poitrine. Parce que j'ai reçu beaucoup d'hommes, beaucoup de d'hommes qui refusent ça. Oui, ma femme, voilà, les seins là sont plus chauds, voilà, c'est plat. Moi, je n'aime pas ça. Mais si tu n'aimes pas ça là, il faut aller refaire les seins de la femme. Il faut aller refaire les seins de la femme. Si tu n'aimes pas ces plats là, va refaire le sein de ta femme. Qui t'a empêché d'aller faire le sein de ta femme? Aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique partout. Tu l'envoies, ils vont refaire ses seins. Ils vont mettre en fonction encore. Mais les enfants ont têté, juste ça, les seins là sont tombés. C'est le soutien même qui soulève un peu les seins. Hein? Soutien-gorge là. C'est ça qui nous met un peu en valeur. Qui nous met un peu en valeur, je veux dire. Mais tu peux l'envoyer refaire ses seins. Ce que tu veux qu'elle soit là. Aujourd'hui, c'est l'argent. Tu donnes 100 millions, ils vont retaper ta femme. Mais non, non, non. Les hommes n'aiment pas ça. Ils vont laisser cette femme-là qui est en train de vieillir, qui a vieilli même dans sa maison, dans ses mains. Et puis après, ça va prendre une jeune fille. Voilà, une jeune fille qui n'a pas encore fait d'enfant. Peut-être elle a fait un enfant, je ne sais pas moi. Comment ça se passe là? Voilà, et puis c'est cette fille-là qui va être dans sa vie. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Tu as choisi. Bonne chance à toi, Papa Gbagbo. Voilà, nous continuerons de prier toujours pour toi. Voilà, la prière n'a rien à voir avec ça. Je ne vais pas vraiment m'étaler sur cette histoire de Nadi Bamba, Simon. Non, 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 non. Mais je veux dire aux hommes, voilà, aux jeunes gens qui veulent se marier, quand on se marie là, c'est à vie. Voilà. Mais on ne s'élève pas comme ça, on ne laisse pas la femme comme ça. Voilà, vous avez des enfants sans remords. On va dans les bras d'une jeune fille. Une jeune fille de 40 et quelqu'un qui a l'âge de tes enfants. Tu laisses cette femme-là puis t'en bas. Et c'est ça qui révolte les femmes. C'est ça là qui nous révolte là. Nous sommes ensemble. Vu ça, maintenant, quand tu commences à prendre de l'âge, lui, là, c'est au dehors, là-bas, il voit les jeunes filles, là, de 28 ans, 29 ans, 30 ans, et il est dans les bras de ces jeunes filles-là,
Maintenant, demain, là, quand ça ne va pas, là, maintenant, on t'appelle. C'est toi qui vas venir ramasser caca, tout ça, là. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Je vais dire aux femmes d'ouvrir les yeux. Hein? Si toi-même, là, toi, garçon, même, là, quand ça ne va pas, là, va acheter à Toté. Il y a Toté, il y a médicaments. En Côte d'Ivoire, ici, il y a médicaments, on appelle à Toté qui retape les hommes. Maintenant, si tu as fait à Toté, là, il faut prendre ta femme aussi pour l'envoyer en France, pour l'envoyer aux États-Unis, pour l'envoyer dans les autres pays, au Maroc, en Tunisie. Ils vont refaire ses seins. Alors, toi, tu ne peux pas supporter ça. C'est toi, tu t'en vas faire. Tu prends à Toté et puis tu vas prendre une jeune fille qui va te servir. Et ça aussi, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas chrétien. Voilà. Donc, je vais dire à tous ces jeunes-là qui veulent se marier, là, c'est la vie. Voilà, c'est à vie. Le mariage, là, c'est à vie. Quand tu es rentré dans un foyer, là, c'est à vie. Vous voyez, la justice dit que papa Gbagbo a tort. Parce qu'il abandonne le foyer et adultérien. Il est de l'autre côté, là-bas. Et c'est, tout le monde le sait. Depuis des années, il est dans les bras de la petite, là. Comme il le dit, ma petite femme. Il est dans les bras de la petite femme. Donc bon, que Dieu le bénisse, que Dieu l'accompagne. Voilà, c'est ce qu'il veut. Voilà, il faut prier pour lui, il faut l'aider dans la prière, le soutenir dans la prière. Notre Dieu est tout puissant. Le Dieu que nous prions là est tout puissant. Moi, je suis pas là pour juger. Mais je vais dire, c'est le constat que j'ai fait. Les hommes se plaignent beaucoup de ce que, oui, ma femme là, ses seins sont tombés. Ses seins sont tombés là, il faut aller soulever ça. Il faut l'envoyer à chose, comme on appelle là, en France. On fait ça en Tunisie. J'ai vu une dame qui parlait à la télévision là, qui disait qu'elle allait refaire ses seins. Que, voilà. Faut aller refaire les seins de ta femme là-bas. Avec 3 millions, 4 millions, ou au plus 5 millions, tu as fini de retaper ses seins. Voilà. Au lieu de te promener là, tu te promènes. Avec les petites filles là, tu te promènes. Tu peux aider la femme, tu peux l'aider à se refaire. Voilà. Mais je vais dire à maman Gbagbo que le Seigneur soit avec toi, comme tu es une femme de prière, que la paix du Seigneur soit sur ta vie, que le Seigneur te fortifie, ce n'est pas facile, que le Seigneur te dirige près des eaux paisibles, qui restaure ton âme, que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Et je vais dire aux enfants Gbagbo, voilà, que c'est ça la vie. Voilà. Quand tu veux te marier, là, on ne rentre pas dans le foyer avec des pensées bizarres. Hein. Voilà, je dis que c'est satanique. Mais quand tu rentres dans un foyer, tu te dis que tu vas demeurer dans ce foyer-là jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Mais il se trouve qu'il y a comme ça. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des hommes qui ne supportent pas que la femme vieillisse. Pourtant, eux-mêmes, là, à partir des 50 ans, là, ils ne fonctionnent plus bien. Quand ils ont diabète, là, ça ne fonctionne plus. Quand ils ont tension, là, ça ne fonctionne plus. Hein, c'est une fois par semaine. Voilà. Là, ils sont. Voilà, ils disent. La femme ne dit rien. Mais quand il s'agit de tes seins, là, ils vont se plaindre. Parce que c'est devenu plat. Ah, ça, là aussi, ce n'est pas bon. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et ça m'énerve, toutes ces choses-là. Voilà. La femme de ta jeunesse, là, tu n'as pas pu la garder. Et tu t'en vas refaire ta vie. Ok. Que le Seigneur te bénisse et longue vie à toi. Voilà. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce que nous voulons. Amen. Que le Seigneur bénisse, voilà, les activités du président Gbagbo, de maman Simone et Yves Gbagbo. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là. Voilà. Mais je n'aime pas trop les hommes fuyards, quoi. Ils sont là et puis, bon, ils s'en vont dans les bras des jeunes filles, là. Ça fait pas bien, c'est pas commode, c'est pas élégant, ça. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.